faut que je descende. Le plus tôt possible. Ravi de vous revoir aussi, professeur. Désolée, capitaine. Tout le plaisir est pour moi. Mais... regardez. Qu'est-ce que c'est? Et où sommes-nous? Aucune idée. Nos systèmes d'astronavigation n'arrivent pas à trianguler. On a disparu de la carte. Nous n'avons pas quitté la galaxie en 28 ans, professeur. D'après les capteurs, on aurait débarqué du sous-espace il y a moins d'une heure. Le générateur spatio-temporel est HS. Si nous sommes là, il est certain que ce n'est pas de notre fait. Quelque chose en surface a dû ouvrir le portail de ce côté pour nous attirer. Transmettez-moi le message, lieutenant. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Mais c'est impossible. Le cryptage de la transmission nous est totalement inconnu. Les mesures de sécurité ont dû évoluer. Mais cette fréquence appartient à l'UNSC. C'est un bon signe. Quand on est parti, la guerre faisait rage. Ce signal est la preuve que l'UNSC est encore en lice, voire victorieuse. D'où vient cette transmission ? On n'en sait pas plus pour l'instant, chef. Quelque chose à la surface bloque nos détecteurs et sans Serena... Mais... ceci dit, on a des coordonnées approximatives. Ça devrait nous permettre de trianguler dès qu'on aura capté le signal au sol. Jérôme, ici Cutter. Je vous écoute, capitaine. Préparez l'équipe rouge de Spartan et une équipe de reconnaissance. Anders vous envoie les coordonnées. Découvrez l'origine du signal. Vous avez une heure. Restez discret. À vos ordres, capitaine. On y va. 28 ans, professeur. Voyons ce qu'est devenue la galaxie en notre absence. Professeur Anders. Du nouveau sur la source de ce signal? J'ai quand même fini par circonscrire un secteur rest... Spirit of Fire, j'approche de la zone de largage avec l'équipe rouge. Largage imminent, équipe rouge. On a hâte de reprendre du service, capitaine. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme. Pas vrai, Alice? On vient juste de débarquer, Douglas. On ne sait rien de cet endroit. Alice a raison. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Restez sur vos gardes. Les équipes de reconnaissance sont parties devant. Allons-y. Spartan en route. En avant. Je me mets en route. En avant. Rocco 1 au rapport. On a posé des charges pour dégager la voie quand vous serez prêt. Je ne sais pas contre qui ou quoi ils se protégeaient, mais il y a des sacrées barricades par ici. Écartez-vous. Fais sauter ces charges, Alice. Je me mets en route. Ça va faire très mal à l'ennemi. Spartan en route. Je me mets en route. Jérôme, ce ne sont pas des défenses militaires. Non, ça a été fait dans l'urgence. Ils devaient être désespérés. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas de défense? Ils auraient dû prévoir une attaque covenante. Attention, il y a un trou devant. C'est 092 au rapport, chef. En avant. Spartan en route. Ça m'a manqué, ça. En avant. J'ignore qui a fait ça, mais ils sont partis depuis longtemps.
On en saura plus en trouvant l'origine du signal. Spartan en route. Qu'est-ce que ce Natty de Gale fait ici? On a des blessés? On est en route. En avant. C'est une des équipes de reconnaissance. On l'a trouvé comme ça en arrivant. On sait pas ce qui s'est passé. Spartan en route. Jérôme, nos équipes de reconnaissance ont sécurisé ce portail. Il vous mènera au signal. J'ai ordonné au reste de nos forces d'attendre et de couvrir vos arrières pendant que vous inspectez les lieux. Oui, capitaine. En avant. Spartan en route. Professeur, on a trouvé d'autres portails. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est étrange, on dirait qu'ils ont été modifiés. Et les machines qui y sont reliées n'appartiennent pas à l'UNSC. Faites-moi signe si vous en croisez d'autres. Spartan en route. En avant. Avant-poste scientifique, Henry Lamb, Spirit of Fire, on est juste devant vous. La base a l'air vide à première vue. Allons voir qui a émis ce signal. Holographique à 10h. Des Spartans, enfin. Il faut qu'on se tire d'ici. Identifiez-vous. Isabelle, service logistique de l'UNSC, avant-poste de l'Arche. Isabelle, où sont les survivants? Est-ce que les Covenants tiennent le secteur? Les Covenants? Nank, attendez, écoutez. Vous êtes en grand danger. Non. C'était quoi, ça? C'est lui. Vous venez avec nous. Jérôme. Ici Cutter, je vous écoute. Chef, demandons appui orbital.
sur notre position, direction nord, dans 5 secondes. Ça va partir! Bien reçu. Missile Archer déployé. Isabelle, on est à bord, pilote. Allons-y. Jérôme, une équipe médicale est en place pour Douglas. Je veux que cette IA et vous me fassiez un rapport complet dès que vous serez sur le Spirit of Fire. Alice est restée sur place. Elle va faire profil bas en attendant de pouvoir nous rejoindre. Chef. Isabelle, voici le capitaine Cutter. Je sais qui vous êtes. James Cutter. Capitaine du Spirit of Fire. On vous disait perdu, vous et vos hommes. Et pourtant, nous voilà. Que s'est-il passé? Je dois savoir ce qui nous attend. Isabelle. Isabelle, répondez. Chef. Il y a 5 mois, le portail reliant l'Arche à la Terre s'est refermé sans crier gare. 1 mois plus tard, il est arrivé. Qui? Le Brute. Leur chef. Son nom, c'est Atriox. Pendant la guerre,
Son clan a servi de chair à canon pour l'Alliance Covenant. Sous prétexte que mourir au combat assurerait leur salut dans l'au-delà. On les a déployés en masse sur le front. Sacrifiés par groupe de 40. Pour défendre une cause qui n'était pas la leur. Aucun n'en est jamais revenu. Sauf lui. Combat après combat. Guerre après guerre. Témoin impuissant de la mort de ses compagnons. Atriox s'est fait un nom. À chaque victoire, sa légende et sa haine envers les Covenants ont pris de l'ampleur. Et quand il a fini par devenir trop encombrant, ils ont essayé de l'éliminer. De mémoire d'homme, de toute l'histoire millénaire des Covenants, Atriox a été le premier à oser les défier. Et à avoir survécu. Et sa rébellion en a inspiré d'autres. Et ses Paria se sont emparés des ressources Covenant. Ils ont mis la galaxie à feu et à sang, et gagné en force à chaque attaque, ralliant à leur cause un ramassis d'assassins et de mercenaires. En ce temps-là, les Covenant se battaient sur deux fronts, l'humanité et Atriox. Ils ont bien failli nous avoir. Mais Atriox, ils en étaient loin. Même à son apogée, l'Alliance Covenant tout entière s'est avérée incapable de le mater. Voilà ce qui vous attend. Et tout ce dont vous disposez, c'est d'un vieux Raffio avec la moitié de son équipage. Il faut fuir aussi vite et aussi loin que possible. Nous n'avons qu'un vaisseau. Et pas de première jeunesse. Mais on est encore là, 30 ans après notre disparition officielle. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'armes. Et notre devoir qui nous fait avancer. Combat après combat, nous restons côte à côte. Ensemble. Vous ne voyez qu'une moitié d'équipage, Isabelle. Je vois une famille. Du courage. 1 millier de héros prêts à en découdre jusqu'en enfer et déterminés à ne jamais, jamais tourner le dos pour fuir. Quant à ce vieux Raffio, comme vous dites... C'est chez nous. Et ça, ça vaut la peine de se battre. Pouvoir ! Si on n'arrête pas Atriox maintenant, la galaxie se retrouvera à la merci d'un monstre. Alors non, Isabelle. Ne comptez pas sur nous pour prendre la fuite. Chef, oui, chef. Capitaine, rien ne vaut un discours enflammé pour galvaniser les troupes. Mais Atriox a eu des mois pour poster ses forces.
Écoutez-moi bien. Les parias vont à tout prix chercher à garder le contrôle de cette installation. On ne peut pas les laisser faire. Asso 1, votre mission est d'établir une base avancée. Attendez-vous à rencontrer de la résistance. Vous avez entendu le capitaine, Asso 1. En avant, Marines!